tu me corresponds un jour. C'est un film sur l'homme cubain maintenant. Et c'est un homme cubain qui est en proie à des transformations, à des avatars, à de multiples aventures qui font nous font douter de certaines réussites cubaines. Ceci étant, nous aurons pour ces films-là, et surtout pour le deuxième, pour la sonation, la présence de l'actrice. Nous sommes avec Lina Cruz. Donc, vous êtes venue de Cuba. Et donc, c'est exceptionnel. C'est les préludes donc, du festival Cine Horizontes 2022, donc le festival du cinéma espagnol. Donc, c'est une chance de vous avoir. Donc, moi, votre film, c'est un film. On va en parler pendant quelques minutes, mais c'est vrai que c'est un film surprenant. Avant de parler de ce film, avant, vous étiez à la séance de Lucia. Donc, qui parle justement de trois portraits de femmes. Quelle a été pour vous la réaction? Est-ce que vous le connaissiez déjà, ce film, ou quel regard vous avez porté sur ce film qui date de 1968? Es una película que cada vez que la veo siempre me voy con una sensación nueva. Creo que haberla visto en este espacio con un público que no es cubano y ver que pensar que Corazón Azul, la película que vine a presentar, tocaba después. Me hizo tener otra experiencia con la película y de una manera extraña conecté el cuento final con Corazón Azul como una historia en Lucía que comienza y en Corazón Azul una historia que termina y que también de una manera especial no se sabe realmente si concluye o no esa, vamos a decir, lo que sembró la Revolución Cubana en las personas, ¿no? La conciencia política. Chaque fois qu'elle regarde Lucia, c'est un film qu'elle connaissait déjà, elle sort avec une sensation différente. Et là, quand elle l'avoue aujourd'hui ici, dans un contexte différent, avec un public qui n'est pas cubain, elle a fait un rapport entre la fin de Lucia, la troisième histoire de Lucia, avec le film Corazón Azul qu'elle est venue présenter, et comme s'il y avait une liaison. Donc à la fin de Lucia, on voit les débuts de la révolution cubaine, et comme si on voyait un peu la fin de cette révolution avec le film Corazón Azul qu'elle a présenté. Alors, Corazón Azul, comment vous le définiriez? Parce que c'est vrai que c'est un film hybride. Donc, c'est un film qui est de science-fiction, un film qui est semi-documentaire. C'est ce que vous avez voulu faire, un film de science-fiction qui interpelle sur le Cuba d'aujourd'hui? Sí. Sí, yo pienso que puede ser considerado un híbrido. Sí, de hecho, Miguel Coyura, su director, él le gusta esa hibridez y de géneros y de formatos, porque no solo son distintos géneros, sino también distintos formatos en la película, como animación. También la película tiene todo este trabajo con la tecnología digital en cuanto a la postproducción, que la dirección de arte se hace de manera digital también. Donc Miguel Coyula, c'est un réalisateur qui aime beaucoup l'hybridation, pas seulement de genre, mais aussi des formats. Donc c'est vrai qu'il y a la science-fiction, il y a le côté documentaire, mais aussi les formats, ils sont très hybrides. Il y a, il y a beaucoup de mélanges de formats, la manipulation technologique, etc. Donc c'est un hybride total, le film. Est-ce que vous, personnellement, c'est quelque chose qui vous interpelle, la manipulation génétique? Parce que c'est vrai que c'est le point de départ du film, et en même temps, c'est ce qui est supposé arriver au personnage, c'est-à-dire qu'ils ont subi des manipulations. Donc, ça a été ça le point de départ du film? Sí, a ver, Fidel Castro siempre estuvo muy obsesionado con, por ejemplo, encontrar la vaca que más leche produjera para alimentar al pueblo, ¿no? Y entonces, como en ese sentido, esas ideas en la película, la manera en que se traducen es eso, como imaginar, o sea, Miguel siempre decía que vamos a imaginar que Fidel Castro, en vez de hacerlo con vacas o con la caña de azúcar, por ejemplo, qué tal si lo hace con seres humanos, ¿no? Y eso, en cierto sentido, es
lo que se ha vivido en Cuba es un experimento social. Y la ingeniería genética del sistema genera un comportamiento realmente diferente en los individuos. Donc Fidel Castro, il était quelqu'un qui s'est posé des questions comme comment trouver la vache qui allait produire le plus de lait possible. Et donc ce type de réflexion, pas directement de manipulation génétique, mais de performance naturelle, on va dire, c'était quelque chose de réel dans la société cubaine. Et donc à partir de là, ils sont allés un peu plus loin, ils ont imaginé cette manipulation génétique et pour dans l'être humain, mais par exemple, c'était vrai aussi qu'il avait de l'intention de trouver la canne à sucre, c'est la canne à sucre qui était la plus productive aussi. Donc donc ce type de réflexion, même si elle n'était pas directement liée à la manipulation génétique, il y avait cette mentalité dans la société cubaine qui est devenue une expérience sociale dans cette île. Donc il était un peu des cobayes sociaux. Y eso, perdón, y eso es como el germen de esa idea de esa sociedad utópica donde hay que construir a un hombre solamente con la ingeniería genética puedes obtener el ser humano que deseas, pero en realidad no es así, ¿no? Como... Donc ça, c'était une vision complètement utopique, parce qu'on peut penser qu'on peut essayer de trouver l'être humain parfait, mais ce n'est pas comme ça, l'être humain ne réagit pas comme on peut imaginer dans un laboratoire. Donc c'était cette contradiction. Alors comment vous avez vécu brièvement ces 10 années, parce que j'ai appris que vous avez déclaré au public que vous avez mis 10 ans pour faire le film, donc vous l'avez coproduit aussi, c'est ça? Et donc, coproduit. Et donc, 10 années, comment vous avez, là maintenant que le film peut être sur les écrans et qu'il a été justement proposé par Ciné Horizontes et découvert, je crois, si j'ai bien compris, par Emmanuel Larraz, donc il l'a proposé aussi à Toulouse. Donc, moi j'aimerais savoir, justement, ces 10 ans, comment vous avez conçu justement le fait de faire du cinéma à Cuba? Est-ce que vous allez continuer à vous investir de cette façon-là? La manera en que Miguel Coyula trabaja en realidad es idéntica, donde él vivió un tiempo en los Estados Unidos, pero también trabajó de esa forma, completamente solo. Oui. Miguel Coyula, il a vécu un certain temps aux États-Unis et il a toujours travaillé de cette façon, complètement, de façon indépendante. Su filosofía de producción, que es la que hemos trabajado juntos, es estar completamente fuera de radar, como su trabajo, como él lo expresó en el making of que vimos aquí en el cine, es lo más parecido al trabajo de un escritor o de un artista visual, con completa libertad, porque él hace la edición, la fotografía, el diseño sonoro, las animaciones, o sea, casi toda la película la hace él. Entonces, no depende de un equipo de producción muy grande. Siempre somos, casi siempre en Cuba fuimos 2 personas, aunque tuvimos gente que colaboró. Donc, sa façon de travailler, c'est toujours essayer d'être hors les radars, ne pas être contrôlé, repéré. Et aussi, c'est une façon très indépendante parce qu'il fait tout. Il fait l'écriture des scénarios, la réalisation. Après, normalement, l'équipe, c'est très petit. Il y a 2 personnes. Ils sont tous les deux en train de tout faire. Et c'est un peu comme un artiste visuel ou comme un écrivain qui sont des personnes qui travaillent vraiment d'une façon très solitaire. Voilà, en plus, le tournage a été fait justement sans autorisation. Donc voilà, est-ce qu'une actrice, pour finir, une actrice pour travailler à Cuba, est-ce qu'on reste à Cuba ou est-ce qu'on a d'autres occupations? Yo no puedo trabajar en Cuba como actriz, pero dirijo teatro, escribo. O sea, lo que he hecho es tratar, para mí cuando me censuraron fue como morir en una vida y nacer en otra vida. Y así es como he seguido. Y no, me parece importante seguir haciendo cine en Cuba y haciendo arte en Cuba. Hasta ahora hemos podido hacerlo de esa forma. El teatro que hago también es un teatro clandestino. Lo hacemos así y mientras podamos trabajar así, de esa manera. No, nosotros siempre decimos que no vivimos para el cine, es decir, no vivimos del cine ni del teatro, vivimos para el cine y para el teatro. Ok, donc, depuis qu'elle a été, on va dire, censurée à Cuba, elle a senti qu'elle est morte, elle est renée.
à niveau artistique, ça a été très compliqué de travailler comme ça, mais elle fait du cinéma indépendant, du théâtre indépendant, et donc elle dit que là, elle et son équipe, les gens qui travaillent avec elle, ils vivent pas du cinéma ni du théâtre, mais ils vivent pour le cinéma et pour le théâtre, et c'est très important de continuer à faire du cinéma et du théâtre indépendant à Cuba. Voilà, nous, merci, et on va dire aux spectateurs qu'ils pourront le découvrir peut-être sur Internet en cherchant bien. Voilà, j'ai appris qu'il y avait une société, de le producteur de vos précédents films qui s'occupait de ça. Merci beaucoup. Non, de rien.